Hey, salut à tous. On est de retour après ce petit test pour le vrai gameplay, hein, comme on peut dire ça. J'ai oublié de brancher mon ordi. Attendez, bougez pas. Ok, c'est bon, c'est super. Il n'y avait pas moyen de se préparer avant, hein, tout va bien. Bon, alors. On va laisser les paramètres de base, hein, de toute façon. On a un certain nombre de petits modes là. Vous pouvez regarder si vous voulez. Rien d'exceptionnel. Alors. Qu'est-ce qu'on se fait comme playthrough? Est-ce qu'on se met un petit site aléatoire? Ou est-ce que on choisit un truc un peu sympa, un peu difficile? Qu'est-ce qu'on se fait? C'est quoi ça? C'est un désert? Désert, c'est cool en vrai, hein. Désert, c'est assez cool. Marécage. Compliqué, marécage. Montagne, ici c'est toundra, désert. En vrai, désert, c'est assez cool, hein, je pense. C'est quoi ça? C'est une forêt boréale, c'est ça, ouais. Ouais, un petit désert, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas le désert extrême aussi. Oui, voilà ça. Jungle tropicale, c'est vraiment simple. Désert. Calcaire, granit et marbre. Bon, on va prendre celui-là, je pense. On va se faire un petit désert, là. C'est ça peut être pas mal. Je pense on va se mettre une map à peine plus grande que celle de base. Tout simplement, l'audio, tout va bien. Ok. Est-ce que c'est proche du gaz pollué? Donc une brume acide ici tous les 118 jours environ. Ah. Ah. On va regarder autre chose dans ce cas. Calcaire et marbre. Il faut au moins du marbre et du granit, je pense. Granit et marbre. On peut se mettre là à la limite. Ouais, allez, on va se mettre là. Ok. Alors, la question étant la suivante, pour le premier personnage, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on se prend un random qui est sympa ou je ne sais pas. Un capote d'action violente au début, c'est un peu compliqué. Le plus intéressant, évidemment, ce serait quelqu'un qui est heat inclined, hein, donc qui aime bien la chaleur. Est-ce qu'on prend un homme? Est-ce qu'on prend une femme? Il y en a plein qui sont incapables d'action violente, c'est fort, fort triste. Égorgeur d'animaux. Oh, attendez, sinon il y a le. Il y a ça là, on pourrait commencer avec un sauride peut-être. Je vois, un extrait low nutrition in the most arid environment. Bah voilà, c'est très bien ça. C'est très bien un sauride. Ça augmente la. Ouais, ça augmente les dégâts, mais ça baisse un peu la manipulation. Enceinte. Ouais, ça aurait été marrant. Tireuse prudente, vengeful. Il est pas mal ce skin. On est évidemment obligé d'avoir quelqu'un qui peut faire du combat, sinon c'est compliqué. Minage et artiste, c'est pas super. Knife, ça s'appelle. Oh! Oh, survivant d'Apocalypse. Ok, on va faire ça, on va juste lui mettre. Tir, agriculture, médecine. C'est pas trop mal en vrai. Il manque juste la construction. On a zéro en intellectuel et tout. Bon, on va partir là-dessus, je pense. Comment on va l'appeler? En vrai, c'est pas très important parce que de toute façon, dès qu'il y aura quelqu'un dans le chat, vous allez prendre sa place. Du coup, on va y aller. Du coup, on va y aller direct. Et on se retrouve dans ce désert. Tout à fait magnifique. Très belle map. On a deux chameaux et c'est tout. Mince, je crois qu'il peut pas. Méditer au niveau des arbres anima, du coup, vu qu'il est survivant d'apocalypse. Alors, au niveau des cultures, on a de quoi cultiver un petit peu quand même, hein. On a de quoi faire. Il faut qu'on voit où est-ce qu'on commence pour notre base. J'imagine que à ce niveau-là, ce serait assez intéressant, étant donné qu'on a pas mal de sol fertile. On a plein d'options, non? Ok. Donc déjà, on va vouloir qu'il plante du riz, certainement. Avant toute chose, il a un peu d'agriculture, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Tout à fait. En mêlée, il a zéro, malheureusement. Un petit peu de ça. On va vouloir qu'il soit fermier. Fermier forestier, artisan, bof. Chasseur, cuisinier. Ok. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, quand on en a qu'un, c'est pas très très important. Alors, en ce qui concerne la zone de départ, déjà il va absolument falloir qu'on ait ça. Donc, il va falloir qu'on mine de l'acier. Acier qui se trouve notamment
Sur des structures, voilà, je pense ça. Donc déjà, on va lui demander de faire une zone agricole de riz à ce niveau-là. Voilà. Ok. Une autre zone agricole de genre pommes de terre ici, voilà. Et puis, il faudra aussi notamment du coton. Ok, si on peut, on mettra aussi carrément un peu de d'agrilux, là, le champignon qui sert... voilà. Bon, pour l'instant, on peut pas, mais ok. Allons-y. Donc évidemment, si vous nous rejoignez sur le live, vous pouvez taper point d'exclamation John Q, comme c'est marqué en haut à droite, afin de d'avoir votre nom sur le perso, sur BO, actuellement. Est-ce qu'on a autre chose en métal? Ici, oui, on a du métal. Tout ça, c'est en métal. Ça lui fera un petit peu d'XP en construction, je crois. Oui, c'est ça. Cold Blooded Danger. Ah d'accord, et il a combien de... au niveau de la température, c'est quoi son température... Ah, minimum c'est 21. Ah oui, d'accord, ok. Bon là pour l'instant il fait 12, mais... Et ça va aller, la température va augmenter avec le... Avec la journée, il faudra juste qu'on l'enferme bien la nuit. Sous peine qu'il ait un petit peu une hypothermie. Voilà, on va choper de quoi faire. Donc, comme je disais, l'établi de tailleur de pierre en métal, il en faut 105. C'est pas évident, mais... On va essayer de faire avec... On n'aura pas assez de métal, il faudra peut-être qu'on mine ce qui est là, il n'y en a pas un peu plus proche. On a ici un peu. Se balade, t'as rien de mieux à faire que de balader. Bon bah dans ce cas... du coton. Ouais, mais là le problème c'est que la nuit il va galérer un peu notre man. Je pense qu'il faudra qu'on se crafte un couteau assez rapidement aussi. Il y a combien en minage? Il a quand même 4, hein, donc ça... Ça prendrait pas tant de temps que ça, on devrait s'en sortir. Enfin, c'est vrai qu'on n'a rien à manger aussi ici. À part si on a un peu des agaves ou je ne sais quoi. Ça c'est un buisson. Voilà ça. Et ben il n'a pas beaucoup j'ai l'impression. 59. Pas trop de quoi manger quoi. C'est normal, c'est un désert en même temps. Peut-être qu'on se fasse un arc pour chasser genre ça, une iguane. Tiens, coupe donc ça. Tac. On fait 13 de bois. Est-ce que 13 de bois c'est assez pour faire un arc? Je ne pense pas. Il en faut 30. Donc, il faudrait qu'on descende au moins... Deux cactus supplémentaires.
À moins que celui-là nous en donne un peu plus. Non, il faudra un autre. Pas trop loin, bah on va prendre celui-là du coup. Ok. Alors, craft donc un arc. Mourir de faim, ce serait pas mal qu'il puisse manger un peu. Tac tac, et on va aller chercher du coup l'iguane qu'on avait vu tout à l'heure. Combien on tire là pour louper toutes ces flèches comme ça? Ah non, bah continue, hein, ça, tu vas juste pas manger, mon gars. Viens juste à côté et tire dessus, quoi. Quel talent. Eh hey mon gars, tu vas y arriver. Il meurt dans combien de temps ce truc? Oh, 8 heures. Bon, bah, finis-le en mêlée en vrai. Parce que là. Voilà. Il a perdu son œil. Ok. Commence bien. Alors, on va déjà dépecer ça, sinon il va mourir de faim. Bah, il a perdu son œil, bah c'est cool du coup. Bon, il fait pas trop froid la nuit déjà, c'est déjà pas mal. Et on va avoir un petit peu de nourriture. Ce qui serait pas mal, c'est s'il pouvait semer le riz. Mais bon, on verra ça plus tard. C'est un peu la galère, je sais pas si je vais tout à fait y arriver à ce départ là. D'ailleurs pour l'instant il n'y a pas eu de... Attendez. Bizarre ça. Storyteller. Et voilà, pourquoi il n'y a pas de... Pas encore eu de vote. C'est connecté au live. Au moins. Attends. Hop. Où ça? Psychotique. Bon. Laissez. Faire ça. Ça pour l'instant c'est pas assez grand pour pouvoir s'en occuper. Ça. Ouais, voilà, ça attaque. Là on a des chameaux, des dromadaires pardon. 40 ans de dromadaire. Ouais. Peut-être vouloir chasser celui-là. Étant donné qu'on a pas trop de quoi manger pour l'instant. Faut qu'on attende évidemment qu'il ait terminé son état mental psychotique.
On pourrait presque lui faire un lit en fait déjà. Pas facile le départ sur le... Dans le désert, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Contre l'état mental dure très longtemps. Hein. Puis il a perdu un œil. Ok, bah quand tu veux, du coup. C'est combien pour un lit 45? Il va galérer là, hein, s'il n'arrête pas rapidement son état, ça va juste être compliqué pour lui. On va aller s'occuper d'aller chasser le dromadaire qu'on a marqué. Puis normalement c'est un animal qui est assez gros, c'est pas trop dur à toucher. Ok. Alors, de la même manière, tu vas dépecer vite fait ce truc-là pour pouvoir manger. Après, faudra vraiment que tu plantes le riz parce que pour l'instant, compliqué. Ok, tu vas faire ça et ensuite tu vas semer du riz. Mince. Déjà avoir un lit dans lequel dormir, ça devrait l'aider un petit peu. Mettre vraiment longtemps à le faire, mais devrait aller. Au moins il mourra pas de faim d'ici les 2 prochains jours. Faut pas le louper par contre, je te le dis. Ok. Bon. Il a mangé, il peut dormir dans un lit. Au moins. C'est mieux qu'avant. Faudra qu'il plante le riz. On devrait être pas trop mal. Ah, sauf s'il pleut, mais bon. Ok, alors vous pouvez voter dans le chat 1, 2 ou 3 pour changer la météo. Donc soit un orage sec, une pluie. Avec du brouillard ou un orage avec de la pluie. Tapez 1, 2 ou 3 dans le chat pour voter. C'est vous qui choisissez, c'est tout le principe de ce gameplay. Le fait qu'il se fasse manger son œil, ça nous a foutu vachement mal quand même. Ça ne met pas bien. Est-ce que on peut faire une petite table? Non, j'ai pas l'impression.
Ouais, il a fini de planter ce qu'il devait planter. Ah non, il y a encore le riz qui est pas terminé. Ouais, alors tu vas peut-être juste vouloir éliminer le truc qu'il y a là au-dessus, là-bas. Évidemment, s'il y a une égalité à la fin dans les votes, ça fera aléatoirement. Ouais, ici en l'occurrence, brouillard. Avec ce métal, on pourra réaliser la table de tailleur de pierre. Et puis, donc, ça nous permettra de faire un bâtiment, quoi, une maison, hein, en gros. Voilà, donc, vous pouvez choisir si vous voulez que le prochain événement soit relatif aux animaux, ou un événement désagréable, en gros, ou aux animaux, encore des fois, il y a deux fois le même choix. C'est possible. Attends, on mange ça avant que ça pourrisse. Voilà. Tu peux pas finir ça? Ah si, bien vas-y alors. Rapidement. Faut 68. On va voir pile assez. Ok, alors maintenant du coup, on a du grès, on a du marbre. On va faire un truc de marbre et on va se faire une maison donc ici. Sera en métal, je pense. Ça m'arrange pas, mais pas avoir trop le choix, je pense. Ça mange ça pour finir. Gazelle en pleine migration. Normalement on a, ouais, voilà, on a pas mal d'animaux qui débarquent. Ça c'est un, comment ça s'appelle? C'est un événement qui arrive que dans les biomes un peu plus compliqués, en gros, pour aider. Il y a des animaux qui viennent en grand nombre, quoi. Ok. On n'a plus de nourriture, mais bon, y a pas vraiment de mets. C'est la merde. Bon, encore un dromadaire. Ici, c'est des ânes. Déjà crafté. Sa maison. Crafter, construire sa maison. Un abri dans lequel il sera au sec. Il nous faudra du métal, donc comme je disais, pour faire la porte.
Un peu ici, tu m'étonnes. On va lui faire de quoi s'amuser, se divertir. Ok, et là du coup il va normalement aller chercher un peu de métal pour finir la porte. Avec les 25 d'acier qu'il a dans les mains, il devrait pouvoir la réaliser. Sauf s'il la rate. Voilà, effectivement, sauf s'il la rate. Juste lui faire réaliser quand même l'habitation là pour qu'il puisse dormir à l'intérieur, ça lui évitera un mood debuff de plus. Non, 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 reste là. Tu vas finir ça vite fait. Bien sûr qu'on pourra avoir une petite zone de stockage ici. Ouais. Très bien. Bon, il devrait quand même avoir le debuff de dormir à l'extérieur parce que théoriquement c'est encore l'extérieur vu qu'il n'y a pas de toit. Mais ça pourrait aller. Avec 23 de cuir de dromadaire, est-ce qu'on peut crafter quelque chose? Il en faut 60 pour ça. Avec 62 pierres, on peut avoir une hache. Alors aujourd'hui, tu vas chasser le deuxième dromadaire. Félicitations à toi. Je sais pas si tu t'as remarqué, mais en fait, t'as faim. Du coup, il va falloir que tu manges. Non, tu préfères observer les nuages. Très bien, soit. Grand bien te fasse. Ok. Alors. Pareil, il ne devrait pas avoir trop de problèmes à chasser ce dromadaire. Nous deux et on sera pas mal s'il arrive à toucher. Ah, tu peux y arriver. En tout cas, on croit tous en toi. Ok, parfait. Ah, tu manges comme ça. Bon, bah attends, va au moins le déplacer, garçon. Cinq quand même, hein. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir lui faire une petite hache en grès aussi après. On va mettre l'artisanat en deux. On
Là, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir débloquer l'électricité globalement pour pouvoir se faire des repas. Et puis, je pense que ça pas trop mal déjà, mais il faudrait qu'on recherche le panneau solaire en fait. Pour tout vous dire. Commencer à récolter un peu de riz. Sans ressources en bois, c'est assez compliqué hein, le commencement. On va le laisser dormir tranquillement. En été, oui. Je sais quoi. Il fait 30, donc ce qui est bien au moins, c'est qu'il a pas chaud, il a pas froid. Pas mal. Les blocs de grès, oui, ça c'est pour avoir du coup la hache. Est-ce que les agaves vont pousser? Ah, mais les bestioles les ont bouffées en fait. Monsieur le Parasite, Heart Attack ou Flou, c'est le bordel ça. Je veux dire, c'est plutôt le 1 qu'il nous faudrait. Hein. C'est vrai qu'en fait, je pourrais changer la fenêtre de chat, je sais même pas si elle est nécessaire. Vraiment en fait, mais dans le doute, on va la mettre un peu plus haut. Ok, il va pouvoir au moins rechercher un petit peu. Ok. Je pense que si j'ai le deuxième ou la troisième proposition, là c'est game over de toute façon, hein, donc. Avoir un peu des pommes de terre de dispo. On va juste le faire manger ce qui reste. Voilà. Pareil, ouais, avec ça. L'event devrait arriver ensuite, donc neutre, mauvais ou good, bah
à choisir plutôt good hein, quand même, parce que là du coup on a un peu. C'est un peu compliqué, on a réussi à se stabiliser un petit peu, mais c'est pas facile. Je pense que là, de toute façon, un event good, ça ne peut être que un autre colon qui nous rejoint, donc. On va partir là-dessus pour l'instant. Même si on n'a pas trop de quoi nourrir autant de monde. Ça peut être pas mal. En tous les cas, hein, quelque chose de positif, ça ne peut que nous aider, hein, c'est par définition. Galère. Hein. Attends, tu me dirais avec 63 manipulations et 4 en construction. Certainement passer niveau 5 avant la fin. Après, c'est ça le problème aussi des structures en pierre, c'est que c'est très très long à construire. Ah. Bon, il passera pas le niveau suivant tout de suite, alors manifestement. On va devoir attendre. Qui termine. En plus, psychotique, ça dure vraiment longtemps, c'est pas optimal. Hein. Manger sans table, on va pouvoir peut-être remettre une table quelque part. Capsule de cargo, qu'est-ce qu'ils nous ont droppé? La nourriture? Ouais, ok. Ok. Pourquoi pas, du carburant, bon. Récolter ici. Seulement il pouvait faire ça. Ce serait pas mal, mais pour l'instant. On va attendre un peu. Attends, hein, si vous voulez. Il faudrait que ça dure vraiment très longtemps. Bon, on a quelques cultures qui poussent, mais bon, ça on perd un peu de temps vu que tout est prêt à récolter. Enfin, on n'a pas le choix de toute façon. Alors, peux-tu cueillir un peu des trucs là pour genre manger, tu vois? Ce serait pas mal. Recru, c'est pas optimal, mais c'est mieux que mourir. Ça se conserve assez longtemps. Petite île. Bah, va observer les nuages si cela te plaît.
juste tailler un truc pour qu'il perde le debuff de manger sans table, voilà. On va lui faire une chaise et une table. Le tabouret en arbre. Ok, on a passé la construction niveau 5. Ah le bordel, ouf. Pas facile. Au moins au niveau nourriture, on va être tranquille pendant un petit moment déjà. On va laisser manger ça vite fait. Refais juste un truc pour pouvoir avoir le tabouret et t'asseoir pour le prochain et on sera parfait. Pas facile du tout, hein. Ah t'inquiète, tu peux aller dormir maintenant, ça. Tout va bien. Pour aller couper ça, peut-être pour essayer de se faire un feu de camp. Ça peut peut-être aider un petit peu. Ok. Est-ce que tu peux récolter ça, s'il te plaît? Avec la hache, ça va beaucoup plus vite. Voilà, ça nous en a donné 25. Alors, il nous en faut combien? 20, c'est parfait. Non bro, tu trolls là. Ok. Ok, on va commencer à manger un peu comme il faut déjà. Voilà, il a mangé un vrai plat à une table. C'est parfait. Si je pouvais trouver un dromadaire encore là. Pas mal. Ok. Comment ça tout fail, c'est un peu compliqué là.
Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, on a les pommes de terre après, en vrai. Ah non, mais la cuisine, chef. Weather colonist to mind. Et là, c'est pour en refaire un après. Voyons combien de temps ça? Ah oui, d'accord, c'est ok. Faut pas en faire trop, quoi. Je peux pas semer ici déjà. Non. C'est bien quand il replante direct comme ça, c'est parfait. C'est combien de temps une pomme de terre? 30 jours, ça va. Ok, ça devrait aller. On a un peu stabilisé le truc. On va le laisser faire ça, d'autant plus que quand il fait ça, il a le boost de j'aime beaucoup mon travail. Donc, gender swap. Ah. Bon, bah, elle maintenant, là. Ce serait peut-être pas mal que tu puisses cuisiner, étant donné qu'il y a bientôt plus de carburant. Voilà. Ok. On a un peu de bois sur la map, ça pourrait aider. Alors, est-ce que ce serait pas intéressant de faire genre la plantation d'arbres? En recherche, directement. Un petit peu de bois et être capable de build un petit peu les trucs qui nous manquent là. De ravitailler le feu de camp notamment. Ok, on peut rechercher. On fera ça dès qu'on pourra. Oh, quoi que. Transporteur, ça peut être. Pam, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as la hache dans la main comme ça? À 16h. Je vais pas faire ça déjà. Voilà, un peu plus de place. Pour tes secours.
Pas de dromadaire. Non, comme ça, avec un dromadaire, en fait, elle pourrait être. Être couverte, elle pourrait s'habiller, donc ça enlèverait encore un peu de mood debuff. Celui-là, moins 6. Ah oui, non, mais alors à choisir, je préférais que tu fasses de la recherche que de l'artisanat, tu vois. Ouais, ou de la cuisine. De toute façon, on va pouvoir crafter des habits en coton, on dirait, donc c'est très très peu optimal, mais c'est mieux que rien. En fait, on pourrait presque autoriser celui-ci aussi, là c'est déjà fait. Là, si t'as alimenté le feu de camp, go cuisiner. Hein. Faut économiser les ressources, hein. Le bois, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà déjà. Ben, c'est le level 5, on a agriculture, ce qui fait que il me semble qu'on peut semer genre les fraises maintenant, mais en vrai on s'en fout. On va la laisser dormir. Je pense qu'on va d'abord, voilà, se crafter un truc en coton. Hop. Pas trop en louper, on sera bien. Parfait. Voilà. Crafte-toi de. Non. Crafte-toi de quoi t'habiller. Et on sera pas mal. Ce sera probablement d'une qualité extrêmement pauvre, mais ce sera mieux que rien. Ah, d'accord. Bien, dans ce cas, on va attendre un petit peu alors. On n'a pas eu de raid pour l'instant. En même temps, c'est normal, c'est par rapport au vote dans le chat, donc c'est normal. Va dormir, va manger. Voilà, pouvoir s'habiller, manger, dormir, et on sera pas mal, comme je dis à peu près 1000 fois par stream. Elle a perdu le truc nu, elle a gagné un petit peu de résistance aux températures, très peu. Mais... C'est déjà ça, et à peine d'armure aussi.
Relaxation sociale. Je sais plus où on voit l'endroit où elle peut méditer. On va pouvoir le couper pour se faire pas mal à manger, je pense. Ou sinon, en vrai, faudra peut-être mieux couper un cactus, en fait, pour faire petit à petit. Je pense que c'est mieux. Un diablotin, ouais. C'est pas idéal de manger de la nourriture crue, mais en train de réduire petit à petit de tous les debuffs au moral, donc ça ira. Ça ira. Manchot requis, la température va atteindre 3 degrés. Ok, ouais, je vois les étoiles, rien d'étonnant. Tourme, ce serait vraiment pas l'idéal. Cuisine un peu, t'as plus rien à manger. Deux repas complets, on va transporter ça. Va lui faire cuisiner un dernier truc. On a combien de temps de feu là? Ouais, carrément un jour, d'accord. Vraiment bien, je pense. Quand elle sera plus malade, ce sera parfait. Le skill en agriculture qui monte un petit à petit. Je sais pas si zone de méditation. Je sais pas si elle peut méditer. Mince, j'ai pas vu ce qu'il y avait eu. Ok, ça, c'était le mieux. Je pense qu'on va juste le... disons, garder sa viande pour plus tard. Ouais, c'est vraiment quand tu veux que tu fais de la recherche, hein, parce que... Il serait temps quand même. Ça va être très très lent au début, hein. Ça va être très très lent.
Besoin d'enclos. Ouais, c'est pas très grave si on perd de toute façon. On s'en remettra. Small siege, big small raid, big siege ou big raid drop. Alors plutôt 1-1 en l'occurrence à choisir. Est-ce qu'on peut crafter un chapeau ou quelque chose dans le genre? Crafter un voile de visage. Bon, c'est ce qu'on va faire. C'est pas idéal le tissu, mais bon, on a que ça donc. Ah, il est normal quand même, c'est pas trop mal. Pourquoi ça clignote là? Qu'est-ce qu'il me raconte? Configuration basique, oui. Ok. Alors, ce serait bien qu'on meure pas sur le premier raid quand même. Could be nice. J'attaque immédiatement. On va se mettre là. On en a un qui a une hache. Il est pas brawler ou je sais pas quoi, non, ça. Dommage. Oui. On sort la hache et on y va. Oh, magnifique. Sans prendre de dégâts, ça c'est propre. Très très propre. Tu peux peut-être juste quand même transporter, voilà, ailleurs. Parfait. Chercheur, on peut remettre en deux. Je pense, on a beaucoup de riz de près. Est-ce qu'elle allait chercher le carburant là-haut? Non, pas encore. Ouais, tu peux peut-être faire ça. Une fois que t'auras fini. Un peu de métal qui traîne ici aussi. Ce qu'on va pouvoir en faire, mais je sais pas, on pourrait peut-être faire un générateur au début, mais après ça risque d'être une perte de ressources, je pense. Ah non, bah, celle-là d'abord.
peut-être juste même pas le temps en fait. Il y a besoin de beaucoup de repos, j'ai l'impression. Hein. J'ai vu un cadavre là-bas, oui, c'est normal, c'est quelqu'un que tu as tué de tes mains. Donc, marqué quoi, travail? D'accord. Allez, on cook. Tout ça, augmenter la taille de cette zone. En fait, là, le riz pourrit plus tard que le que les pommes de terre, du coup. On va vouloir les garder. Ce riz. Toi, tu fais quoi là? Tu viens bouffer mes cultures? Attends, je vais pas vraiment prendre le risque de trop le jouer. Vague de chaleur. Alors, un écuyer de l'Empire voudrait tester à basse puissance, machin. Ok, une vague de chaleur ferait cuire la zone autour de la colonie pendant 6 jours et demi. Nuisant aux cultures. Genre à quel point? Parce que cuire, ça fait. On a combien de résistance totale? 51. Oh, on peut essayer, non? Les deux armes, ce serait cool aussi, ça. Ça, c'est cool, hein. Quand même. Ah, c'est trop lourd pour être une arme secondaire de mêlée. Ah, le débile. Et du coup... Attendez. Ah si, c'est bon, ça y est. Ok, on a la lance et l'arc. Parfait. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Combien du coup? Pour l'instant il fait 29, hein, donc
Je sais que c'est la nuit, mais... On va aller jusqu'à 51 sans problème. En plus, c'est que pendant 6 jours, donc en vrai, c'est pas... C'est pas si long que ça, quoi. En vrai, je pense qu'on va rechercher autre chose que le... Il va nous falloir l'électricité d'une manière ou d'une autre. Genre le... Où est-ce qu'il est? Batterie. Panneau solaire. Voilà. Dehors, ça va jusqu'à combien une autruche? 50. Ok. Oh non! C'est quoi ce choix là? On n'est même pas encore sorti de l'autre maladie qui ça vient direct. Quel enfer. Faudrait qu'on mette une zone. De racines de vie. Voilà. Pour l'instant, elle ne peut pas encore les planter, mais c'est de vrai. On va récolter tout ça si jamais. Ça évitera que les animaux les... Merde. Les mangent. Voilà. Alors, un médecin d'infanterie, il a déserté l'armée. Mais ça, le truc, c'est qu'il c'est pour rentrer en conflit avec l'Empire et c'est pas quelque chose qu'on veut trop faire, hein, je pense. Le truc, c'est qu'ils sont en train de bouffer toutes mes plantations là. Un peu relou. Et les ânes, ça va jusqu'à combien? De toute façon, c'était impossible de faire autrement. 45, ok. Peut-être qu'ils mourront de... d'hyperthermie avec un peu de chance. D'insolation. Bah, tu peux te soigner, hein, je pense. T'as de quoi faire. Peut-être que si on met ça comme ça et ça ici, ça optimisera un peu les choses. Voilà, et si on nettoie un peu... C'est mieux, non? J'en sais rien. Et 39 à l'intérieur, au final ça nous a pas mal sauvé d'avoir cette, ce petit trait là. Même si normalement du coup ça va quand même jusqu'à 40, ce xénotype. Au moins on est tranquille. Alors, il y a un truc que je voulais regarder aussi, c'est les nouvelles, voilà, lampes murales. Ah, et maintenant ça affiche. D'accord, je savais pas que ça affichait
La portée de la lampe. Build ça vite fait. Sont en train de défoncer mes champignons là. Cassez-vous là. D'accord, tu veux pas. Très très conservable les champignons. Faudrait qu'on refasse des à manger quoi. Donc il faut un cactus. Après, c'est qu'on fera la cuisine électrique avec avec les panneaux solaires et normalement ça devrait être un peu plus simple, on n'aura plus besoin d'autant de bois. La vague de chaleur vraiment ça change absolument rien, quand t'es déjà dans un désert franchement on s'en fout royalement. Donc on a bien fait de prendre ça pour ces armes qui sont fort efficaces. Ah mais d'ailleurs en fait maintenant j'y pense le fait d'avoir une lance maintenant, ça permet plus d'avoir un boost en agriculture. Oui, c'est plus 10 en vitesse de travail agricole. 10%. Alors que la lance, non, mais bon, j'imagine que une lance comme ça fait 8,56 de dégâts, 48% de pénétration d'armure, et ça. Ouais, c'est mieux. Pourquoi ça va pas? Ouais, en fait, le fait d'avoir deux maladies en même temps, c'est vraiment la galère. Recherche, tu veux pas faire autre chose? Cuisine un truc, ça t'enlèvera le moins 12 là. Je vais dormir un peu, même si weather, ben, plutôt weather, je dirais. Soigne toute seule, on a toujours les deux maladies, c'est pas optimal hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah non, mais cuisine en fait. Pas besoin de manger des trucs crus hein, quand on a de quoi cuisiner, on a du bois, autant s'en servir. Le riz là. Bien du temps avant de pourrir. Allez, les connards qui sont venus direct bouffer le truc.
On va lui laisser un petit peu parce que ça fait plus 14 avec le j'aime beaucoup mon travail. Chambre horrible. Brouillard. Ils vont fou bouffer mes plantations encore. Ce qui est dommage, c'est que du coup là, elle plante plus trop quoi. En fait, je sais pas si je devrais plutôt laisser les animaux manger mes cultures en mode comme ça je les aurai pour plus tard si jamais j'ai pas de nourriture, ou au contraire stacker la nourriture et du coup les tuer direct. Le truc c'est que vu que j'ai pas de freezer pour l'instant, je me dis que c'est quand même mieux de les garder. Ça les bouffe devant moi en plus, hein, y a pas de respect. Bon, deux pommes de terre, on peut leur laisser. À la limite. Qu'est-ce que tu fais? Tu te balades, oui. Pourrait y avoir d'autres choses à faire, hein, je pense. Voilà, typiquement semer du riz, je pense, c'est un peu plus intéressant. C'est très 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 long. Ah, il y a un bouton pour arrêter la recherche maintenant. Est-ce qu'elle est niveau 1? Peut-être en recherche maintenant. Ah, 2. Ouais, ça va vite. Le truc, c'est qu'en plus, avec sa maladie, la nourriture descend super vite. Ah, il fait 7 du coup maintenant. Ah oui. Ah oui, ok. Which animal event should happen? Good, bad, neutral. Good, s'il vous plaît. Il y a genre plus. Il y a zéro plante sur la map là? Pour qu'il bouffe. Toute notre. Nos champs là? Quel enfer! Alors faudrait que. Voilà. Hop, on coupe ça. Faire le feu de camp à l'intérieur.
Ah, ça fait pas du bois quand on... D'accord. Je me disais peut-être que ça marche. Manifestement, non. Récupérer un peu de bois du feu de camp détruit ne marche pas. Alors, cuisiner un plat simple, puisqu'on a avoir 5. Comme ça, on a de la chaleur à l'intérieur, on a de la lumière à l'intérieur. Ça va résoudre pas mal de nos problèmes. Bon, du coup. Qui va pas mal nourri. Ah oui, d'accord, ok. Mince. Ah, si elle nous pète le riz, par contre. Ça va pas être évident là, parce que sans de riz, c'est pas. Pas négligeable. Fais pas de conneries, c'est pas le moment. Ok. Va te coucher dans ton lit. Il bouffe toutes mes cultures. C'est pas très très cool. On va descendre l'autruche, je pense, déjà quand ce sera réveillé. Alors, toi. Voilà. C'est fait. Dors souvent, vraiment c'est quelque chose. Est-ce que je peux peut-être voilà. C'est que j'ai peur que ça impacte ses armes ou quoi, donc dans le doute. Jours, 26 jours, 31 jours. Ok, en fait, à part à la place, pardon, de faire ça, on pourrait faire ça déjà. Pas mal si vous pouvez semer un peu plus le là aussi. C'est tout. Ok. Quelques-uns en plus. Ce sera fait. C'est que là les ânes ils vont venir bouffer le riz qui est mûr là, non?
normalement ça devrait aller chercher ce qu'il y a dehors. Comment ça tremper jusqu'aux os? Ah oui, bah, elle est sortie. Okay. Dormi dans le froid, il fait 28. Cold snap, tornado, tornadoze. Waouh, le bordel. Le mieux, je suppose que c'est une seule tornade. Ça fera plaisir à Yann en plus. Faudrait que tu répares le lit et tout ce que t'as pété là en vrai, ce serait pas mal aussi. Médicaments se font rares, oui, comme tu dis. Mais ça dure trop longtemps, ça, c'est abusé. Peut-être que si on augmente un peu la place dans son... dans la chambre, ça ira mieux aussi. Une tornade, on espère qu'elle va pas nous venir dessus, parce que sinon c'est... bon bah tant pis, mais... Où est-ce qu'elle est? Oh non, non, on sonne de ma gueule là! Elle venait direct sur nous. Ouais, elle a un peu enlevé des cultures ici, mais tant que ça vient pas direct sur nous, ça. Bon. On a eu chaud quand même, hein. C'est pas... pas passé loin. Ah, il fait zéro, quoi. Ok. Oui, ok. Alors, il faut absolument du bois. Là, il fait zéro. Donc, tu vas aller chercher fast ce truc-là. Lutte profitable. Trois archers. C'est qui, elle? Ah oui, d'accord, ok. En vrai... 3. Ah, c'est deux groupes. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fight... Ah non, attends, 6 personnes, ça fait beaucoup, hein. Il fait 3. Ça caille dans le désert. Ça caille.
pas dormir. Je pourrais dormir quand même, non? Bah, ça va être compliqué. L'hiver, je pense qu'il va être très très rude. Ouais, qu'on se débrouille un petit peu. Sinon, faut qu'on fasse une maison autour de ces trucs-là. Voilà. On va récolter tout ce qu'on peut récolter avant que ça gèle. Ah! Attends, comment ça on a pris 50% en un coup? Merde, bon bah on a perdu du coup. Il n'y a pas le Man in Black qui veut venir? Ah merde. J'avais pas vu qu'on avait perdu autant, mais on était à 20% avant. Stressé, oui, j'imagine. Sûrement un bad event, il se passe quoi. J'ai entendu, là ça fait une heat wave et puis ça win quoi. Oui, ou la peste, oui. D'accord, bon. Ok. Bon bah. Trois maladies, malnutrition, hypothermie. Compliqué là. Ça me paraît compliqué. Vachement galéré hein, quand même. Au début. Bon bah c'est dommage malheureusement. Il n'y a rien qu'on puisse faire là. Et voilà. Pourquoi ils nous ont pas envoyé un Man in Black? Je comprends pas. Je devais attendre 6 heures. Ok. On va attendre 6 heures. Ah, est-ce que c'est créé directement depuis l'éditeur ou est-ce que c'est genre ça fait débarquer les gens random? Ah ouais, d'accord, ok. Et là, du coup, on repart à 3 en plus. Ah oui, on peut en créer autant qu'on veut. Elle est bien. Ça c'est pas trop mal. Ouah, ça c'est mort. Prude need fun loving. Ah, personne d'agriculture. Bon. Ouais mais en vrai c'est pas marrant d'avoir ça. Tant pis, là faut juste se dire qu'on a lose et puis on recommence. Ok, bon. Ah non, c'est trop facile. Bon, on revient au menu principal, je reviens dans une seconde et puis on recommence.
Alors, c'est un peu compliqué cette histoire. Que je regarde si. Je vais voir avec 60 s'il veut jouer à Hunt. On va voir ça parce que du coup je me suis claqué la gueule sur Rimworld. Je vois avec les autres si ça veut jouer aussi. Ouais, on pourrait reprendre peut-être différemment. En vrai, le désert c'était sympa, j'ai bien aimé. Ah, Twitch, on était parti avec 5 persos la dernière fois. Ouais, il a l'air pas facile du tout ce scénario aussi. Bon, du coup, on va se faire du hunt avec Sissi. Donc, je vais relancer un live pour avoir une VOD clean. Et puis, on se retrouve dans une seconde du coup pour du hunt. Merci d'avoir regardé ce live un peu flopesque, et puis je vous dis à tout de suite ou à la prochaine, en fonction si vous regardez la rediff ou le live. Voilà, salut.